Je joue à World of Warship depuis sa sortie aux Philippines, en avant-première. Et j'ai atteint le tier 6. Donc une question qu'on peut se poser, à laquelle je vais essayer de répondre, est quels sont les meilleurs bateaux, ou plutôt les bateaux les plus intéressants à jouer dans World of Warship, sachant qu'il y a des porte-avions, des cuirassés, des croiseurs et des destroyers. Bon, je vais évacuer assez rapidement les porte-avions, parce que sur mon compte européen, je n'en ai qu'un, hein, qui est l'anglais. Globalement, je dirais que dans les bâtières, parce que je n'ai joué que cela, les porte-avions ne pèsent pas beaucoup sur le jeu, hein. Ce n'est pas eux qui feront basculer le sort de la bataille, sauf cas exceptionnel. Et en plus, souvent, ils sont la cible privilégiée des destroyers, donc qui passent une bonne partie du temps à se défendre des attaques de destroyers. Ensuite, il y a les cuirassés. Donc, j'en ai un certain nombre. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les cuirassés dans Warship Blitz? Leur principal inconvénient, c'est d'être très peu mobile, d'avoir une artillerie qui est certes puissante, mais pas toujours très précise. Donc, ce qui fait qu'en pratique, on est très dépendant du reste de l'équipe. C'est-à-dire, si l'équipe joue mal, empêche par exemple les destroyers de vous être approchés, vous êtes mort. Donc, globalement, je ne les trouve pas du tout intéressants à jouer. Je trouve qu'on n'y a pas beaucoup de plaisir. En fait, on vise des cibles, on tire des coups de canon, mais on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Ensuite, il y a les croiseurs. Alors, je trouve que les croiseurs sont beaucoup plus intéressants pour différentes raisons. La première, donc, c'est ils sont mobiles, donc on peut réagir aux aléas de la bataille. Hein. Si par exemple votre équipe se fait déborder sur un flanc et si les ennemis menacent votre base, vous pouvez vous déplacer très rapidement pour contrer et par exemple sauver une partie. Ils ont souvent une artillerie, je dirais pas puissante, mais qui tire à bonne cadence. Par exemple, un très bon exemple, c'est le Saint-Louis, hein, qui est hérissé de canons. Donc, grâce à ça, vous pouvez neutraliser les destroyers à grande distance, ce que les cuirassés sont généralement incapables de faire. De plus, en cas d'attaque de destroyer, vous pouvez manœuvrer pour éviter les torpilles, ce que les cuirassés ont également beaucoup de mal à faire. Donc je dirais que les croiseurs sont un type de bateau intéressant à jouer dans Warship. Enfin, il reste les destroyers que j'ai gardés pour la fin. Alors les destroyers, je pense que ce sont les bateaux qui vous permettent de faire le maximum de dégâts. Si vous réussissez à vous approcher d'une cible sans vous faire détruire, avec une volée de torpilles, vous pouvez infliger beaucoup de dégâts. Et si vous réussissez à reproduire l'opération sur plusieurs bateaux adverses, ce qui n'est pas toujours évident, hein, vous le trouverez rapidement en tête du tableau pour le nombre de dégâts et le score, vous se retrouvez MVP. Donc pour moi, les bateaux les plus fun à jouer sur le jeu sont actuellement les destroyers. Bon, j'ajouterai qu'à mon avis, ils sont OP, hein, ce qui veut dire overpowered. Donc que le jeu et la balance du jeu leur est trop favorable à mon avis, et que les développeurs devraient les rééquilibrer pour qu'ils soient un peu moins puissants.
Enfin, aujourd'hui, à mon avis, ce sont les meilleurs types de bateaux, en tous les cas les plus amusants à jouer. Les croiseurs venant en second. Alors, si on regarde parmi tous les destroyers, les meilleurs, à mon avis, sont les destroyers américains. Pour une très bonne raison, c'est que la plupart ont une double rangée de torpilles, c'est-à-dire des torpilles de chaque côté, de chaque bord. Ce qui fait, par exemple, qu'une fois que vous avez tiré les torpilles de tribord, vous pouvez retourner votre bateau pour balancer les torpilles de bâbord pendant que les tubes de tribord se rechargent. Donc si on sait anticiper ces tirs, c'est-à-dire prévoir la manœuvre pour retourner le destroyer, on peut envoyer très rapidement deux bordées sur la même cible ou deux bordées sur des cibles qui sont proches. Alors on trouve ce genre d'installation de tubes lance-torpilles sur les destroyers américains sur les tiers 2, les tiers 3, les tiers 4, les tiers 5. À partir du tiers 6, les torpilles sont en position centrale, comme sur les destroyers japonais. Donc on perd cet effet de double bordée. J'ajouterai qu'à partir du tiers 6, les bateaux, les destroyers, tant américains que japonais, deviennent de gros bateaux, donc qui ne manœuvrent pas aussi bien que des destroyers de tiers 5 et inférieurs, et atteignent presque une taille de croiseur, donc deviennent, un, moins manœuvrants, deux, des cibles plus grosses et plus faciles à tirer au canon. Donc, pour moi, en résumé, les bateaux les plus amusants et qui font plus de dégâts dans le jeu sont les destroyers américains de tiers 1 à 5. Bon, évidemment, c'est un avis tout personnel, hein, subjectif, qui est conditionné par mon expérience du jeu. Eh bien, dites-moi pour vous si vous avez le même avis ou si vous pensez que certains autres bateaux sont plus intéressants. Et j'espère vous retrouver bientôt en bataille. À bientôt, au revoir.